Ce qui se passe dans ce bateau est un mystère, mais il ne peut qu'attirer l'attention puisque son propriétaire est un géant du web, Google. Jusqu'ici, cette barge constituée d'une soixantaine de conteneurs mouillait dans le port de San Francisco. Les autorités portuaires de la ville ont ordonné à la firme de Mountain View de lui trouver un nouveau port d'attache. La ville de Stockton, à 140 km en amont de la rivière San Joaquin, leur a ouvert les bras avec enthousiasme. The only thing I can tell you is it meets all the Coast Guard requirements for a vessel, and you know, it's a safe vessel, and we regularly handle barges here. We have many, many barges that come through here every year. So for us, in one sense, it's a very unique vessel, but we handle vessels here all the time. Entre 2010 et 2012, Google a construit 4 barges comme celle-ci. Pendant des mois, la firme s'est refusée à révéler leur usage, avant d'expliquer enfin en novembre 2013 qu'il s'agissait d'un espace d'exposition interactif sur les nouvelles technologies. Une explication peu convaincante, aucune des 4 barges n'est encore ouverte au public, et Google se refuse à donner un quelconque agenda. Le mystère des barges Google reste donc entier.